Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un flan aux carottes et aux asperges. Donc on va utiliser pour ça des carottes, 600 g de carottes, des asperges ici, des épices. Donc là je vais mettre du cumin avec sel et poivre. Et ensuite pour faire le liant, donc on va utiliser de la farine, du lait, des œufs. Et on va rajouter du persil à tout ça. Donc maintenant, on va commencer par la première étape, découper les carottes. Petite récapitulation des ingrédients. Donc il vous faudra 600 g de carottes minimum épluchées, un petit bocal d'asperges de 110 g, ensuite du cumin et du cumin en graines. Et pour l'appareil, donc il vous faudra 120 g de farine avec un sachet de levure, 3 œufs, du sel et du poivre, 25 cl de lait et un beau bouquet de persil. Donc pour commencer, vous allez laver et éplucher vos carottes. Puis vous allez les couper en rondelles. Alors pas de taille précise, vous faites un peu comme vous voulez. Mais sinon des rondelles à peu près entre 0,5 et 2 cm. Pendant ce temps-là, vous portez de l'eau salée à ébullition. Et une fois que votre eau bout, vous pouvez y plonger vos carottes. Et les laisser cuire pendant au moins 12 bonnes minutes de manière à ce qu'elles soient moelleuses dans votre flan. Pendant ce temps-là, vous allez prendre vos asperges et bien les égoutter de manière à ce qu'elles ne dégorgent pas et qu'elles ne rendent pas trop de jus à la cuisson pour que votre flan ne soit pas liquide au fond. Et donc pour cette étape, je vous conseille d'utiliser du papier sopalin parce que c'est vraiment très pratique. Et une fois les asperges bien égouttées, mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Alors ensuite, vous allez préparer votre appareil. Donc l'appareil, qu'est-ce que c'est? C'est la pâte en fait qui va vous servir de liant donc pour tenir votre flan, pour tenir les ingrédients entre eux. Donc pour ça, vous allez commencer par peser 120 g de farine. Vous allez y ajouter un sachet de levure. Puis vous allez faire un puits au milieu et ajouter 3 œufs. Ensuite vous allez ajouter du sel et du poivre. Puis vous allez mélanger énergiquement au fouet, donc comme lorsque vous faites une pâte à crêpes, pour mélanger bien les œufs avec toute la farine et la levure. On continue en ajoutant les 25 cl de lait, donc en les ajoutant de préférence en deux fois et en mélangeant bien entre chaque ajout. Ensuite, vous ajoutez le cumin donc selon vos goûts. Alors moi, je sais que j'adore ça, donc j'en mets une énorme cuillerée à café de cumin en poudre et je mets une bonne dose de cumin en graines, ce qui rajoute un goût encore plus prononcé. Puis vous allez laver votre persil, le ciseler finement et l'ajouter en mélangeant pour terminer votre pâte. Vous pouvez maintenant commencer à préparer votre flan en disposant les asperges dans le fond d'un plat. Puis vous allez, lorsque vos carottes sont prêtes, bien les égoutter, quitte à faire comme pour les asperges, à les éponger un peu avec du sopalin. Et vous allez les positionner par-dessus vos asperges et recouvrir le tout de votre appareil en essayant de faire un plat plus ou moins homogène. Et en étalant tout bien sur la surface de votre flan. Voilà, votre flan est prêt, donc vous n'avez plus qu'à l'enfourner dans votre four à 180 degrés pendant 25 minutes, puis vous pourrez le déguster chaud ou froid selon vos goûts. Moi je sais que personnellement je préfère le manger bien frais avec une salade et c'est parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on a terminé avec cette recette de flan aux carottes et aux asperges, qui est une recette facile, rapide, vraiment légère, avec plein de bons apports pour la santé. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors au choix, donc ce sera soit une pizza aux aubergines, soit des moelleux au chocolat. Voilà, salut tout le monde !